Une fois sur ta page, il y a un truc qui est apparu, c'était le salariat, c'est la pire manière de gagner sa vie. Et en moins de 24 heures, parce que j'ai vu plus de 1000 personnes qui ont liké, des commentaires fusaient de partout. Ouais! Parce que j'avais aussi, ça avait aussi apparu sur ma page. Et les gens me disent, oui, Valère, oui, c'est bien beau de présenter l'entrepreneuriat, machin, truc. Mais Valère, tu sais que tout le monde ne peut pas entreprendre. Bon, maintenant, la question que je m'avais te posée, c'est savoir. Un, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Et deux, quelles sont les compétences à développer pour devenir entrepreneur? Alors, les questions sont. En fait, c'est pour ça que j'apprécie ce que tu fais. Parce qu'on ne s'ennuie pas. Les questions sont hyper pertinentes. Merci. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? La réponse, c'est par l'affirmative, c'est-à-dire oui. Tout le monde peut entreprendre. Et là, si c'était un texte, j'aurais mis peu en majuscule et en gras pour dire tout le monde peut entreprendre. Maintenant, entreprendre impose et implique beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de challenge et beaucoup de responsabilité. Est-ce que vous seriez capable d'assumer le fait que vous avez recruté deux personnes dans votre entreprise et qu'en Afrique subsaharienne, en moyenne, un emploi décent nourrit 10 autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a 20 personnes qui vivent de votre entreprise. Est-ce que vous allez assumer la responsabilité de pouvoir respecter vos engagements envers cette personne-là ou ces personnes-là pour que leur famille continue de vivre de leur emploi qui dépendent totalement ou qui dépend totalement de votre activité? Est-ce que vous êtes capable de respecter cet engagement? Est-ce que vous êtes capable parfois de ne pas vous payer vous-même pour qu'un de vos salariés puisse être payé? Est-ce que vous êtes capable parfois d'assumer le fait que vous n'avez pas réussi à atteindre une rentabilité qu'il faut, mais vous décidez quand même de payer des gens et d'assumer tout le dème qui va avec? Est-ce que vous êtes capable parfois de ne pas mettre de carburant dans votre voiture parce que l'argent là, vous devez l'utiliser pour le marketing d'une campagne que vous allez faire et vous allez donc prendre le taxi chaque soir, comme moi je le fais depuis bientôt 2 semaines, c'est-à-dire ma voiture est garée et mon chauffeur, je lui ai dit que gars, attends d'abord, je vais prendre le taxi. D'ailleurs, elle est même en panne parce qu'il y a des choses plus importantes. Est-ce que vous êtes capable de laisser votre standing de vie et de vous ramener à l'étape de nature où vous subissez les mêmes frustrations que les autres? Ce n'est pas par manque de moyens. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens pour le faire, mais juste que les moyens que vous avez, vous décidez de mettre Bien ça pour mettre le bien de rien. tous, de la communauté, des personnes qui travaillent avec vous. Si vous n'êtes pas capable d'assumer ces engagements, d'assumer cette discipline, comme moi par exemple, je ne rentre jamais du bureau avant 22h30. Et ça, c'est tous les jours jusqu'à dimanche. Ça veut Ah dire que ouais. je sacrifie aussi ma famille. Est-ce que vous êtes capable d'assumer tout cela? Si vous n'êtes pas capable de le faire, trouver un emploi où vous pouvez rentrer à 15h, à 16h, pour préparer même à la maison et vous occuper de votre famille et laisser ces problèmes-là pour les personnes qui ont décidé de prendre des engagements pour le futur de notre continent. C'est là où le peu don s'arrête et c'est maintenant ceux qui sont des guerriers qui pourront continuer. C'est donc de ça qu'il s'agit. Tout le monde peut entreprendre, hein, ça, tout le monde peut le faire. Et maintenant, quelles sont les compétences qu'il faut pour entreprendre? En réalité, il n'y a pas de compétences spécifiques pour entreprendre. Parce que si vous êtes dans un quartier et vous vous rendez compte que la poubelle s'accumule dans votre quartier et que les gens ne veulent pas prendre la poubelle pour aller la vider très loin, vous pouvez décider un matin de dire, OK, désormais, je me charge de prendre la poubelle chez les gens et d'aller jeter. Je vais juste leur dire que je viens 2 fois par semaine et puis vous allez me donner 100 francs pour chaque activité que je vais mener dans ce sens-là. Il faut quelles compétences pour le faire? En réalité, aucune. Il faut Carrément. juste comprendre l'environnement, savoir identifier les problèmes et pouvoir transformer ces problèmes en opportunités. Donc, si je veux dire, s'il y a une seule compétence qu'il faudra avoir pour être entrepreneur, c'est la compétence qui consiste à savoir identifier les opportunités. Les opportunités qui découlent des problèmes Tout à pour fait. lesquels il faudrait y apporter des solutions. C'est la seule compétence qu'il faut avoir. Les autres compétences, vous pouvez acquérir cela dans le parcours. Ça veut dire que s'il faut, par exemple, transformer les ordures
en biogaz. Oui, il faut avoir une compétence pour savoir comment le faire. Vous allez rencontrer les personnes qui savent le faire, vous allez participer à une formation, vous allez vous documenter, vous allez apprendre à le faire. Mais avant d'avoir cette compétence technique pour saisir cette opportunité, il fallait d'abord savoir qu'il y a une opportunité. Parce qu'il y a des gens qui savent le faire, c'est-à-dire qui ont la compétence technique, mais qui ne savent pas identifier les opportunités. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont Bac plus 38, ils sont hyper compétents dans certains domaines, mais inaptes à l'identification des opportunités. Et c'est ça le danger. Parce que ça, vous ne pouvez pas être entrepreneur si vous êtes dans ce cas de figure. Ma personne, ne t'en va pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'écouter Claudel ou ici, si jamais tu es intéressé par le business, tu veux monter ton business en Afrique, je te conseille vivement son livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain. En termes de business, ce livre te donne des stratégies qui sont juste énormes. Et si jamais tu souhaites le procurer, soit tu donnes rendez-vous sur mon site internet argentlivre.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut, à gauche ou à droite, ou en description, et puis tu pourras entrer en possession de ce bijou de livre. Allez ensemble.